Bonjour à tous, vous êtes en compagnie d'Elerina Medium. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2024. J'espère que vous avez passé une bonne journée de l'Assomption, la fête de la Sainte Vierge Marie. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Alors, bon, on va commencer le tirage. Mais avant de commencer ce tirage-là, donc le titre sera La variole du singe va-t-elle atteindre l'Europe entière? On va voir ça. La variole du singe, nouvel plan, point D, point mi. Alors, avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à vérifier que vous n'êtes pas désabonné. Si c'est le cas, réabonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes, vous appuyez sur toutes les notifications de mes vidéos pour ne rien rater. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Vous m'adressez un message email ou alors un message téléphonique. Voilà. Pour ceux qui sont à l'étranger, s'il vous plaît, uniquement par message Gmail. Merci beaucoup. N'oubliez pas le like hein, pour faire marcher l'algorithme de YouTube et faire avancer ma chaîne. Tous vos dons seront les bienvenus, même si petits soient-ils. Donc, si vous souhaitez me faire un don pour faire progresser ma chaîne, vous m'envoyez un message par ma boîte Gmail ou alors vous m'appelez au téléphone. Uniquement appel téléphonique, hein, pas de message SMS. Voilà, donc pour l'introduction. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Alors, je vais voir ce qu'il en est de cette nouvelle maladie, la variole du singe, tout simplement. Est-ce que ça va atteindre l'Europe, le monde entier? Alors, moi, j'ai entendu dire que ça venait d'Afrique, bien évidemment. Ils sont pleins de virus, pleins de... Ben, c'est des pays sous-développés pour certains. Hein. Donc, ils n'ont pas tous les médicaments nécessaires pour être soignés, etc. Voilà, donc, au Congo, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts au Congo dues à cette maladie. Mais qu'en est-il exactement? Moi, j'ai ma petite idée. Bis repetita. Alors, ne vous laissez pas avoir. Hein? Voilà. Donc, on y va. Alors, ici, ah, il y en a quatre qui sont sortis. Voilà. Donc, Internet, les réseaux sociaux risquent d'être touchés par des coupures. Coupures. Voilà. Même dû à l'électricité. Manque d'énergie électrique. Voilà. Le sport va faire parler de lui. Certainement dans le foot. Hein. On voit un ballon de football. Voilà, et les musées seront impactés par peut-être manque de visiteurs. Manque de visiteurs dans les musées. Ben ça, c'est à cause des JO, hein. Ah, là aussi, il y en a quatre, mais décidément, hein. Bon, les États-Unis, ça viendra plus tard. Moi, j'ai demandé, voilà, mais c'est faux. Tout est faux.
C'est une grande mascarade. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ils nous font croire. Comme le co.co. Vous vous souvenez? Avec la muselière, comme les chiens, avec interdiction de sortir, l'emprisonnement chez soi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous laissez pas avoir. Tout est mascarade. Tout est manipulation. Voilà. Donc, les transports seront impactés. Bon, il y aura des grèves sûrement. Bon, et ils veulent aussi impacter toute l'Europe. En Suède, j'ai vu qu'il y avait un cas, mais un cas sur je ne sais combien d'habitants, c'est vraiment pas beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est instaurer la soupe. Alors là, vous y êtes passé déjà, hein? Donc vous ne laissez pas avoir une seconde fois, hein? Donc là, il y a la dictature. Il y a un emprisonnement pour quelqu'un. Bon, il faut renflouer les labos. Hein, ils ont besoin d'argent. Ils veulent de l'argent, ces ordures. Bon, là, nous avons l'atmosphère qui sera. Ah ben voilà, ça sera diffusé par les Kem points plus loin, Trail. Voilà, la maladie est réelle, hein, elle existe bien, hein, mais elle n'est pas mortelle. Si elle est soignée, elle n'est pas mortelle. Mais ce qu'ils veulent, c'est vous mettre la soupe avec le bile, le gâté. Mon Dieu, je sais pas où on va, mais alors, hein. La troisième est à nos portes. Hein. Alors, si vous voulez pas le croire, ne le croyez pas. Ça vient sans crier gare. Hein. Ça surprend. De nuit. Alors, vous verrez bien. La France en première position. Hein, par l'attaque slave là-bas. Le pays de Vlad, le pays de l'ours. Eh oui. Il faut pas jouer, il faut pas jouer avec ça. Donc, ben, voilà. L'informatique, il y aura des hackers. Faites attention à vos mobiles, à vos ordinateurs. Faites attention. Voilà, ici, il y a une révo. Oui, il y aura des manifs encore. Bon. Peut-être que c'est pour. Parce que les gens ont compris là maintenant. Hein, il faut pas. Mais qu'est-ce que vous croyez? La cérémonie du gala d'ouverture et de fermeture des JO, c'était plein de satanisme pour nous atteindre. Voilà. Là, c'est les militaires qui vont prendre le relais pour la France. Peut-être c'est la raison pour laquelle le chef d'État ne choisit pas son premier ministre ou sa première ministre, parce qu'il sait ce qui va arriver. Voilà. Attentat. Attentat. Guet, point, plus loin, heureux. Donc, ben, moi, je pense qu'en 2024, ça y est, bon. Au début 2025, on va y avoir droit. Hein. Même les animaux seront touchés. Hein. Voilà. Pendant qu'il y en a qui dorment encore, mais réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous. Vous attendez quoi? Votre dernière heure? Sans rien faire, sans bouger? Non. Il faut refuser. Il faut refuser. Voilà. Le Satan qui était. Dans les galas d'ouverture que vous avez payés avec vos impôts, les JO, c'est vous qui avez payé. C'est moi, c'est d'autres, c'est le voisin, c'est le boulanger. Tout le monde a payé pour le Satan.
Le Satan représenté par voilà l'exé point cutif. Là, il y a l'espace-temps. L'espace-temps, donc en médiumnité, en voyance, on ne peut pas donner de date. Impossible. Donc ici, nous aurons le retour de la couronne, donc le retour d'un grand roi de France. Après tous ces événements, hein, après que tout soit rentré dans l'ordre, mais il faut un grand désordre pour remettre tout en ordre. Donc, on verra. Alors, là, il y a l'industrie, les centrales nucléaires, la pollution. Je ne sais pas si l'incendie en Ukraine a été maîtrisé. Je pense que oui, hein. Donc, cette plante pour endémie vient de l'Afrique, du Congo spécialement. Et hier, il y a eu la cérémonie du débarquement. Du 80e débarquement en Provence, eh bien, il y avait le président du Congo ou un de ses représentants, je ne sais pas. Bon, l'Amérique sera touchée plus tard. Bon, ils vont faire une nouvelle mondiale, hein? Plan pour endémie, hein? Voilà. Tous les territoires, toutes les nations seront touchées. Bon, là il y a la NASA, je sais pas ce qu'elle vient faire là. Bon, ben. Et puis ils veulent créer une seule et même religion, ce qui est impossible. Alors, bon, ils y ont travaillé longtemps, longtemps à ce nouveau virus du singe, variole du singe. Voilà, c'est les enfants. Surtout les enfants qui seront touchés. Mon Dieu, les pauvres petits. Ah ben, ils veulent toucher les petits pour sensibiliser les parents, hein. Voilà. Bon, ils ont affaire à des voyants, des médiums. Mais bon, des sorciers plutôt. Alors, nous mettons d'autres cartes. On regarde, on retourne. Oh Jésus, Jésus-Christ, il est là, Jésus. Ah, ne vous inquiétez pas, mes amis. Il y a le Seigneur Jésus qui est avec nous. Il va nous protéger. Oh, magnifique. Superbe carte. Donc, refusez la soupe, refusez tout ce qu'on vous propose. Parce que on veut vous faire passer de l'autre côté. Voilà. Là, le dirigeant, alors avec une carrure très très costaud, quoi. Bon. Et on va pas nous dire que ça vient de la Chine, hein. Ça vient d'Afrique. Voilà. Là, nous avons donc ben, ils vont refaire toute l'histoire dans les livres d'histoire. Destinés aux écoliers, ils vont refaire toute l'histoire, ils vont tout réécrire. Il y aura une catastrophe, catastrophe due à une badaboum. Voilà, les morts, les esprits, ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas où aller, qui naviguent entre deux.
deux dimensions, deux. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Donc, le commerce, la distribution sera impactée. Le bâtiment également. Le bâtiment. Et les LGBT s'y mettent. Les LGBT vont manifester. On ne veut pas de nouveau revivre ce que nous avons vécu en 2020. Ah non. Ne vous laissez pas envahir par la peur, hein, parce que c'est à ce moment-là que vos défenses immunitaires diminuent et que vous êtes sujette à toutes sortes de maladies. Sujet plutôt, sujet ou sujette. Voilà, donc on découvre ces cartes-là. Bon, l'Asie aussi sera certainement impactée. Donc, de toute façon, petit à petit, ils vont faire la plan point D point mi mondiale. Bon. L'alimentation, on aura de moins en moins de quoi nous nourrir. C'est comme ça, c'est prévu. Et c'est un complot. Ah, c'est un complot. Et oui, ne vous laissez pas avoir. La sorcellerie, ils font jouer la sorcellerie. Ils l'ont fait pour la cérémonie. C'est au niveau mondial. Hein. Tous ceux qui l'ont regardé dans le monde entier, cérémonie de gala d'ouverture et de fermeture des JO, c'était plein, plein, plein de sorcellerie. Voilà, donc ici, nous avons les journaleux qui nous désinforment, hein, et l'Allemagne sera impactée également, donc le monde entier. Les femmes se rebiffent, les femmes vont manifester pour leurs enfants, pour que leurs petits ne soient pas impactés. Bon, et la politique aussi, ben ça vient d'eux, hein. La politique et puis les élections aux États-Unis. Bon, on verra. Je vais rajouter des cartes. Et là, alors nous avons les célébrités, l'industrie musicale qui est gravement touchée là. Et puis elle sera touchée à cause de l'IA. Et oui. Bon. La fraternité parmi les peuples du monde entier, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leurs origines, il y aura la fraternité, l'entraide, la solidarité. Puis là, il y a le réchauffement climatique. Mais vous croyez que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien du tout, ces éoliennes. À rien, strictement, à rien. Ça sert à dénaturer le paysage. Voilà la maladie. Elle est là. Elle sort. Mais elle n'est pas mortelle si elle est soignée, hein. Mais surtout pas avec la soupe. Ne faites pas ça, mes amis. Moi, je ne le ferai pas, donc je vous recommande de ne pas le faire. Ça impactera le monde entier. Petit à petit, ils vont faire peur. De plus en plus, les gens, ils auront peur. Donc, ils auront à la queue leu-leu se faire la soupe. Moi, je vous la déconseille. Parce que vous allez passer de vie à trépas. Voilà. Donc ici, nous sommes dans l'amour et la bienveillance. Donc, il faut continuer ainsi. Bon. Il y a un haut personnage qui sera face à la justice, devra rendre des comptes. Alors qui, ça, pour l'instant, je ne sais pas.
Bon. Tiens, au Royaume-Uni. Alors, le personnage qui devra rendre compte se situe au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, alors qui? Un prince possible? Bon. Et là, ils veulent, les gouvernes qui mentent veulent vous faire un lavage de cerveau, s'amuser à avec votre psychisme. Et ils veulent contrôler votre mental. Alors ne vous laissez pas faire, mes chers amis. Si vous croyez en moi, si vous avez confiance en moi, ne vous laissez pas manipuler par cette fausse plan point D, point mi. Ce qu'ils veulent, c'est vous injecter les mêmes produits qu'auparavant. Hein? Les labos, ils ont besoin d'argent. Ils veulent des sous, ils veulent des sous. Mais en même temps, ils veulent des cadavres. Eh oui. Alors, ici, vous voyez, il y aura beaucoup de sang qui va couler à cause des manifs. À cause des manifs. Bon, voyez, l'Assemblée générale, pour l'instant, n'aura pas de nouveau gouvernement. Parce que l'exécutif, c'est ce qui nous attend. C'est qu'il n'en a pas pour longtemps, qu'il va devoir quitter son poste. Voilà. Et par les mers, par les océans aussi, il tente de nous toucher. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon. Ici, nous avons la police, les forces de l'ordre qui vont tenter de mettre du calme pendant les manifs. Là, ils sont en train de préparer les doses. Ça y est, les doses, elles sont en préparation. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ce sont des monstres. La carte me dit que ce sont des monstres. Même l'Océanie sera touchée. L'Océanie aussi. Voilà. Tout est dans le mensonge. C'est faux tout ce qu'ils nous racontent. C'est faux. N'y croyez pas. C'est faux. Ils vont tenter de changer vos mentalités, de vous manipuler. Voilà. Là, c'est la préparation de la soupe. Là, alors nous avons donc certaines en Asie, ils font beaucoup beaucoup de méditation, beaucoup de ils récitent beaucoup de mantras afin d'éloigner toutes ces manipulations. Voilà, certains pays dans l'Océanie retrouveront leur nature sauvage. L'Égypte sera touchée aussi. Mais bon, tout est faux, hein? Les couples, les parents, attention à vos enfants. Nous aurons des révélations. Les révélations comme quoi c'est faux, venant de la Russie. Révélations venant de la Russie. Donc, ben, vous savez très bien que la troisième est en route. Ça arrive sans crier gare. Au beau milieu de la nuit, hein, alors soyez avertis. Moi, je vous avertis, d'autres personnes vous avertissent. Et ceux qui disent que ça n'existe pas, j'ai regardé pendant mes heures de repos, j'ai regardé quelques chaînes,
où il y en a qui disaient que non, elle n'y sera pas. Bien si la troisième est en route, alors voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Préparez-vous. Préparez un sac avec les premières choses de première nécessité. Les médicaments aussi. Prévoyez vos médicaments. Donc l'agriculture sera touchée. Les réseaux maçonniques. Ils veulent des sous, voilà, de l'argent. Nous, nous aspirons à la paix, à la liberté, mais c'est pas pour tout de suite. Après, il y aura le grand monarque qui va venir. Voilà, nous avons aussi les aliens, les extraterrestres. Hein? Voilà, donc ils nous surveillent, ils sont prêts à intervenir. Bon, la France, Paris, avec sa tour Eiffel, sera touchée par cette pseudo-pandémie. Voilà. Voilà comment ils vont effectuer leur leur plan, quoi. Par les chemtrails. Regardez les chemtrails. Partout, partout. Il y en a plein. Voilà. Dans les villes. Ils se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Bon. Donc, je vais terminer là. Finalement, je me suis servi que d'un jeu. Je vais peut-être poser une question avec le tarot de Béline, l'oracle de Béline, à savoir, est-ce que la variole du singe, est-ce que c'est une réelle maladie mortelle ou est-ce que on se joue de nous? Est-ce que c'est une manipulation mentale pour nous faire accepter la soupe, la variole du singe? Voilà, ils pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent qu'ils ont gagné. Bon. Il y aura du nouveau. Ça ne me parle pas trop. C'est. Non, non, c'est. Ils sont méchants, terriblement méchants. Ils veulent de l'argent et ils veulent réduire les pop. Hein? Puis vous terminez la phrase. Ils veulent réduire, réduire et réduire. Donc, ben, c'est pas vrai, c'est faux, tout est faux. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.